Hello, je suis en France pour une partie de pêche de quelques jours dans la jolie région de la Champagne avec mes amis Georges le caméraman et Laurent Valette. Notre ami Alban Choignet viendra nous joindre à la fin de notre partie de pêche pour une nuit de pêche. La nuit, on va pêcher ce lac qu'on voit derrière qui est rempli de nénuphars avec des belles communes et espérant quelques beaux amours blancs, belles amours blancs. Et la journée, quand il fait très chaud, les poissons sont peu actifs. Et on va pêcher dans le lac, le marais derrière, qui est rempli d'obstacles. Et on va essayer de pêcher une carpe à rôder. En fait, c'est difficile parce qu'on a vu plusieurs poissons, jusqu'à bon, peut-être 15-16 kilos. On ne sait pas exactement. Mais comme le lac n'a jamais été pêché, les poissons ne connaissent pas les appâts. Donc on va amorcer un peu au maïs. On va essayer peut-être au pain, avec des vers de terre, pour essayer de au moins toucher un poisson la journée. On a une zone du lac très intéressante à pêcher, avec une petite île juste devant moi là, un chenal derrière l'île et une bordure avec des arbres et des branches dans l'eau qui est très intéressante. Je placerai ma canne de droite juste devant les obstacles où il y a 1,50 m d'eau et c'est légèrement vaseux. Cette canne doit être toute bloquée afin d'empêcher un poisson de prendre du fil et d'entrer dans les obstacles. Pour ma canne de milieu, je vais le placer à ras des buissons au bord de l'île. Il y a 1 mètre d'eau et le fond est dur, c'est du gravier et c'est juste à la limite de la vase. C'est un endroit très intéressant. À la pointe de l'île, c'est un endroit aussi intéressant et stratégique pour intercepter un poisson qui patrouille les bordures de l'île. Je placerai ma canne de gauche dans le trou à ras des nénuphars. À ma gauche, il y a une zone dégagée devant une grande plaque de nénuphars et c'est un excellent poste pour Laurent à pêcher quand il arrive demain. Et derrière, à gauche, il y a un grand baie rempli de nénuphars et Georges, pour la nuit, il va pêcher la bordure des nénuphars. Donc c'est une zone du lac qui est très intéressante à pêcher et on va rester quelques jours ici pour essayer de faire quelques jolis poissons. J'ai placé le montage pour la canne à droite devant les obstacles. Maintenant, c'est très important de placer la canne dans la bonne position. Et quand on pêche tout bloqué, c'est important de mettre la canne directement en direction du plan pour que la canne ne peut pas partir à l'eau. C'est aussi important de mettre l'anneau de tête ce côté du détecteur pour cette raison-là. Et régler le frein à maximum, serrer le frein pour que le poisson ne peut pas prendre du fil. Donc là, je vais tendre le fil à maximum. Et je serre le frein aussi à maximum pour que le poisson ne peut pas prendre du fil. Comme ça, il ne peut pas rentrer dans les obstacles. Après, pour l'indicateur de touche, si le poisson, quand il est piqué, il ne peut pas prendre du fil, donc c'est important qu'on ait une indication ici. Si on a un indicateur de touche qui a l'option vibration, ça c'est le mieux, et on le règle sensible pour qu'au moment qu'il y a une touche, la vibration fait sonner. Autrement, il faut laisser quelques centimètres de fil avec un indicateur assez lourd pour qu'on ait au moins une ou deux bips quand le poisson est piqué. Mm-hmm.
Comment vas-tu? Bien, bah ouais. Ah, tu commences bien. Super, hein. Ouais. Tu commences bien. Poisson, hein. Ah, ouais, joli poisson. Une belle commune. Ah, ouais, une belle commune. Ouais. Ouais, il vient juste à la prendre. Ouais. Super. Hein. Ça fait bon route? Ouais. Ouais, ça va. Ça va. Oh, elles sont belles, hein. Ouais, super. Elles hein. sont belles, hein. Là, le cadre, il est fantastique. Ouais, il est joli. Tu l'as nénuphar. Ouais, c'est beau. Hein. C'est beau. En plus, il y a des gros poissons. Ouais. Beaucoup de taille moyenne. Ouais. Pas mal de à la montant. Ouais. C'est joli. Super. On va bien s'amuser. Je pense que... Regarde qu'est-ce qu'il... Aïe. Une mortille là. Oh là là. Ouais. Dis donc, ah ouais. 8-9 kilos, je pense. Hein. Ouais, dans ces zones-là, ouais. Elles sont belles, hein. Ouais. Elles sont belles, hein. Pour la traque dans le marais, j'ai fabriqué une canne spéciale qui est très costaud, pas trop longue, 2,30 m à peu près de longueur, avec un gros fil, parce qu'on ne peut pas donner 1 cm de fil, il faut que ça soit costaud. Donc j'ai un nylon d'à peu près 50 centièmes, petit flotteur, il n'y a pas beaucoup de fond, il doit avoir 40 cm de fond où on va pêcher. Un hameçon sérien numéro 1, donc un hameçon très fort de fer, parce qu'il faut brider le poisson. Et là, du maïs, on a amorcé hier et avant-hier, on a amorcé à peu près tout le marais avec du maïs. Les poissons, ils n'ont jamais vu des appâts. Normalement, ils mangent le maïs assez vite. Et là, j'ai mis un cheveu, simplement pour la raison que le maïs ne se met pas sur la pointe quand j'ai un touche. Comme ça, ça présente mieux l'hameçon. Et je l'ai trempé dans le Bingo Boost Haute Attraction, qui est rempli d'attractants naturels que le poisson il va reconnaître tout de suite comme une nourriture. Donc même les poissons qui n'ont jamais goûté, ils vont reconnaître ça tout de suite. Et voilà, c'est à peu près le matériel pour pêcher dans le marais. La canne est puissante, mais c'est un sillon d'une canne de 3/4. Donc c'est bien souple, mais pas trop longue, avec une bonne puissance. Une action souple et puissante est idéale pour contrôler un poisson près des obstacles. Je les vois pas pour le moment. Ouais. Là, il y en a une, ouais.
Il y a eu un orage terrible. Ça a dû plaire aux poissons et pour la première nuit, on est confiant. Voilà. Ça devrait bien se passer. Tout est en place. C'est bon. C'est ça la pêche. Voilà. Pour ma canne de gauche, je vais la placer dans le trou à la pointe de l'île, là, dans les nénuphars. Il y a à peu près un mètre d'eau, c'est très dur, il y a des cailloux, c'est un endroit très intéressant à pêcher. Et afin de trouver la bonne distance, je ne mets pas mon montage, je mets juste le camoufil et le plan. Quand j'ai trouvé la bonne distance, je mets un repère sur le fil, je mets mon fil dans le clip sur le bobine, et puis j'attache le montage avec un rapide clip avant de lancer. Donc là, je vais juste vérifier que la distance est bonne. Là, j'ai mis mon fil dans le clip. Et si c'est bon, j'y mettrai le montage et je vais lancer la canne. Super, juste le bon endroit. Donc la bonne distance. J'ai un repère sur le fil pour la distance, pour que je puisse retrouver la distance dans la nuit. Et le fil dans le clip sur le bobine, pour que ça bloque et ça tombe sur le bon endroit. Donc maintenant j'ai la bonne distance. Je mettrai le montage avec le rapide clip. Clip dans les moyens. Et après, je mets un morceau de gain silicone juste au-dessus du clip. Voilà. Donc c'est tout prêt à pêcher. Là c'est monté avec le combi link. Un hameçon fort de fer, c'est un sérien numéro 1, parce que là on pêche devant les obstacles et les nénuphars. Une bouillette équilibrée pour que ça se pose délicatement sur le fond. Avec ça, juste avant de lancer, je vais attacher une chaussette soluble. Petite chaussette soluble avec des morceaux de bouillette, des petites bouillettes de 16 et des morceaux de bouillette. Ça, j'attache directement sur l'hameçon. Il faut que juste relancer sur le poste. Lovely fish. C'est vraiment super, hein? Celle-là, elle est belle. Hein? Oh, oui. Ah, elle est belle, hein? Oui. 12 kilos, là. Oh, super. Bien, bien. Ouais. Joli poisson, hein? Ouais. Joli poisson. Ok, il est quelle heure, là?
Le fond, celle-là, c'est incroyable. C'est une vache, hein. Ouais, ouais. Yes. Super. On va la mettre dans un sac. Hop. Parfait. Trois livres anglaises. C'est un poisson qui fait 10 kg et demi. Oui, il peut près 11 kg. 10 kg et demi, 11 kg. Ouais. Ouais, c'est un joli poisson. Tiens, Laurent, montre-moi un peu la tête du poisson. Voilà. Baisse-la un tout petit peu. Voilà, tiens, regarde, il y a une super lumière, là, il y a un reflet magnifique. Elle a un reflet juste sur l'opercule de l'eau. Il fait très chaud l'après-midi et je décide à retourner à l'autre lac. Il y a peut-être des poissons en activité près des obstacles. Oui, il y a un poisson juste là, vraiment au bord. En fait, il y a plusieurs carpes dans ce trou entre deux arbres tombés. J'ai un matériel parfaitement adapté à ce type de pêche et il y a juste assez de place entre les obstacles afin de pouvoir sortir un poisson, si jamais j'ai la bonne chance d'en toucher. J'ai réussi à approcher sans les effrayer et maintenant je dois positionner l'épuisette afin que tout soit prêt avant de pêcher. Le frein est serré un maximum et dès le moment de faire un poisson, je devrais le brider afin de le déséquilibrer et le mettre dans l'épuisette au plus vite. Avec un matériel adapté, c'est une méthode qui s'avère très efficace, mais il ne faudrait surtout pas l'essayer plein dans les obstacles où il n'y aurait aucune chance de sortir le poisson.
Il y a un gros poisson juste devant moi et il y a un autre un peu plus loin en train de gober l'herbe. Waouh, c'est parfait. Allez. Malheureusement, il ne l'a pas pris. Mais un peu plus loin, j'ai trouvé de l'activité où j'ai amorcé avec du maïs hier soir. Laurent voit très bien de sa position plus haut dans un arbre et il m'explique exactement où je dois lancer. Yes, c'est juste à côté du poisson qui fouille. Oui, j'ai un touche. Je vais essayer les bons. Ah non! Ah, peut-être la carpe a pris le fil dans ses nageoires. Oh well, c'est ça la pêche. Elle va sentir. Tiens, comme elle longe les nénuphars. Ouais. Ouais. Ça va être pas très souvent, hein. Ouais, assez rare, hein. Ah, c'est magnifique, c'est incroyable. Quoi. Deux touches à la fois. Ouais. Oh. Je pense que comme tu dis, ce soir il faut dormir là. Hein. Ah oui, moi je vais dormir là, à côté. Tu vas casser la gueule. Hein. J'ai failli tomber tout à l'heure. Deux fois déjà. Alors là, je vais me déplacer et puis je vais aller voir dans la baie derrière là. Il y a une petite île et apparemment il y a des poissons qui circulent. Donc je vais voir s'il y a moyen de pouvoir en capturer un. Voilà, il me reste deux nuits donc je vais tenter le tout pour le tout. J'ai trouvé quelques carpes vraiment au bord dans ce coin très encombré du lac. Elles sont sous l'herbe et dans les branches, et je dois approcher de très près, sans les effrayer, afin de pouvoir présenter mon éche vraiment devant leur nez. Malheureusement, ça ne marche pas toujours comme prévu.
Yes! Yet, but it's a good one. C'est un joli poisson, je ne l'ai pas vu vraiment bien encore, mais... Wow, puissante. Ouf. Wow, joli. Wow. C'est pas ça, les poissons qui n'ont jamais vu un hameçon, c'est ça, c'est un bagarre. Joli commis. Aïe aïe aïe, quelle puissance. Oui, c'est une bombe. Yes, come on, come on, come on. La canne stalker. Regarde les couleurs. Wow, là 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 là. Poisson vraiment magnifique. En fait, là, j'avais essayé pendant un moment au maïs. Ça n'a pas marché. Et puis là, j'ai essayé un bout de pain, une croûte de pain. Et puis le poisson a pris tout de suite. Mais derrière, j'en ai vu qui sont peut-être deux fois la taille. Donc on va essayer encore. Thank you.
Salut Alban, tu vas bien, John? Ouais, ça très va, bien. Merci. Alors, t'as fait bonne route? Ça va, mais il pleuvait un petit peu sur Paris, comme d'habitude. Ouais. J'ai croisé Laurent, non? Ah oui, il vient de changer de place en fait. Ouais, ouais. Il m'a dit que ça va, ouais. Vous n'êtes pas ennuyé là? Non, non, on a fait des beaux poissons, quelques belles communes, surtout des belles communes, des longues. C'est vraiment super. Bon, bah, j'espère avoir l'occasion de les voir alors. Ouais, ouais, mais là, comme la place est libre maintenant à côté de moi, tu viens me joindre. Bah, je vais prendre son poste là, je vais voir. Ouais, ouais. En plus, il a fait des poissons juste devant. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est un beau plan d'eau. Hein. Bon. Tu étais installé? Bah, j'y vais, hein. Je vais m'installer, je okay. Décharge la voiture, c'est parti. J'ai fini à faire mon montage, ouais, je vais j'arrive. Tiens, Albo, j'ai une nouvelle bouillette que tu peux essayer. Qu'est-ce que c'est? C'est une bouillette équilibrée. Mmh. C'est ma pelle crème Canon Juice, comme tu vas pêcher. Bah, c'est le parfum que j'utilise là. En fait, c'est pas pareil pour que ça flotte tout juste et ça va descendre avec le poids de l'hameçon. Et là, tu as des tailles mélangées 16, 14, 16, 18, je crois, 20 aussi. Eh ben, écoute, je vais monter ça. Je vais monter ça directement pour ce soir. Non, c'est intéressant comme produit. Ouais. C'est intéressant. C'est toujours très très difficile à faire soi-même les équilibrés. Sais, ouais. À chaque fois, c'est là. Mais non, comme je pêche souvent avec la résine qui est équilibrée, avant je l'ai préparée avec une bille de liège. Mmh, tout à fait, ouais, exactement. C'est beaucoup plus simple. Et donc elle coule simplement avec le poids de l'hameçon. Voilà, tout à fait. D'accord. Il suffit d'avoir un hameçon approprié à la taille de la bouillette, j'imagine. Ouais, pas mettre quelque chose trop petit sur une bouillette trop grosse. Oui. Ouais. Ben là, je crois que ça, c'est parfait pour l'hameçon que j'utilise là, à peu près. Là, je vais les monter pour ce soir. Là. Ok, je te laisse faire. Ouais. J'aime bien augmenter la traction autour de mon éche avec une toute petite chaussette soluble, soit de morceaux de bouillette, de pellettes ou de noix tigrées. Accrocher la chaussette à l'hameçon et tremper l'ensemble dans le bingo émorcé graines, ou bien le BHA. Serrez bien la chaussette et l'effet sera une explosion d'appâts et d'attractants autour de l'éche. L'effet est vraiment incroyable. N'oubliez pas à bien sécher les noix tigrées avant de les enfermer dans la chaussette. Je vais monter maintenant une des bouillettes équilibrées que John m'a donnée. C'est vraiment un appât intéressant, ça permet que la bouillette descende tout doucement, se poser au fond sur la vase, et qu'elle saute carrément dans la bouche de la carpe, elle est beaucoup plus facile à aspirer par la carpe. Et je vais les monter comme j'aime beaucoup, juste avec une petite dose de pâte d'enrobage tout autour. C'est vraiment un booster qui est pas très violent, et qui est vraiment vraiment très attractif pour la carpe. La pâte colle, elle colle très bien, on peut la mettre autour de la bouillette. Et au fond de l'eau, elle va se déliter tout doucement avec un petit nuage et faire un tout petit tapis de pâte autour. C'est vraiment assez extraordinaire. Dans un boost tract, qui a tendance en plus à très très bien adhérer sur une pâte comme ça crue, ça a juste monté avec un petit... avec un petit stringer de 4 bouillettes sur fil soluble. Et alors là, au niveau de l'attraction, je crois qu'on peut difficilement faire mieux. On va voir ce que ça va donner cette nuit. Mais là, je suis vraiment confiant. Les bouillettes qu'Alban utilise sont de la gamme Top Baits. C'est une combinaison hyper attractante de Maple Cream Canon Juice avec le Super Spice Mix, Robin Red et HPSE Feu. C'est une de mes recettes préférées et j'ai eu beaucoup de succès avec ces appâts, aussi bien en Angleterre qu'en France. Quelques bouillettes sur un fil soluble est toujours très bien. N'oubliez pas à laisser assez d'espace entre les bouillettes afin que le fil soluble pourra facilement dissoudre.
le bingo patte d'enrobage commence à travailler immédiatement. Il diffusera ses acides aminés attractants pendant plusieurs heures, formant ainsi une zone hyperattractive autour de l'Esch. Les attractants sont dispersés par les courants sous l'eau, avec l'effet de stimuler et d'attirer les poissons qui traînent dans le coin. Attraction optimale et instantanée. Une méthode très efficace. Un coup de main, Alban ? Ouais, ouais, bon, on va regarder ce poisson. Tu vois le oui, ouais, elle est là. Bon, la nuit a été relativement calme. Hein. Ouais, mais on avait un grand changement de temps. Ouais. Les orages qui sont venus là. Bon, bah, la bouillette équilibrée que tu m'as donnée hier. Hein. Ouais, c'est bien marché. Tu vois, ça a bien marché la preuve. Hein. Super. Ouais. En plus, c'est ton anniversaire. 26 ans. Félicitations. Bah écoute, j'espère que 26 ans, 26 kilos cet après-midi, hein, avec un peu de chance. Pourquoi pas. Est-ce qu'elle a. Tu vas regarder, elle a pas. Non, hein. T'as vu, elles ont pas mangé beaucoup elles de bouillettes. Beaucoup on voit pas de morceaux de bouillettes ou de morceaux même de tigernuc. On en a mis quelques-unes. Oh, c'est quand même. Les poissons sont très très jolis. Hein. Bah, super. Hein. C'est quand même un très joli poisson. Ouais, c'est, elle est beau, ouais. Regarde John, l'œil, qu'est-ce qu'il... Ouais, ouais, elle n'est pas aveugle. Tu crois? C'est possible. Ouais, je sais pas. C'est dit. Enfin, peut-être, c'est peut-être pour ça qu'on l'a pris. Si tout était aveugle, on aurait peut-être plus de départ. Oui. Quand même, t'as vu, très jolie forme. Hein. Super, très beau, ouais. Poisson. Bon, je vais chercher l'appareil photo. Hein. Ouais, d'accord. Cadeau d'anniversaire. Je vais la relâcher, non? Ouais, ouais, vas-y. Je vais essayer de pas faire le poisson. Ouais, c'est en pente là. Hein. Ouais, c'est en pente. Attends, tourne une fois la dernière photo. Est-ce que tu peux juste mettre la queue dans l'eau? Comme ça, c'est joli. Ouais. C'est super. Joli. Oups. Allez, si le temps change, hein, on aura peut-être la chance d'en prendre. Ouais, un peu de soleil encore, c'est vrai du mal, c'est du bien. Super, vraiment super. Le bonhomme de neige est une de mes présentations préférées. Une bouillette normale est équilibrée par une bouillette flottante, et l'Esch descend doucement au fond, ce qui assure une présentation parfaite. Le camoufle fil plombé se plaque parfaitement au fond. Il est quasiment invisible et c'est l'arme ultime pour piéger les carpes méfiantes. Un plan inline plat de 100 grammes assure la sécurité pour le poisson et un autoferrage efficace. Un bas de ligne d'environ 25 cm en combi link avec les dernières 3 à 5 cm dénudés et le montage est parfait. Quelques bouillettes et carpes pellettes nappées avec le bingo boost haute attraction autour de l'Esch et le piège est complet. Simple et extrêmement efficace. C'est difficile de faire mieux. Ah, oh, c'est un Mont Blanc encore. Ce matin, j'ai mis deux cannes à côté de Georges, dans la baie à gauche. Georges a fait un gros amorçage hier soir, et ce matin, il y a eu beaucoup d'activités sur son poste. Georges a pris un joli miroir d'11 kg au lever du jour, et je viens de toucher ce poisson qui est très très puissant. On voit bien la belle action progressive de la Mirage 3,5. Cette canne, au sommet de la technologie, est à la fois extrêmement percutante au lancer, et elle a une action merveilleuse. La Mirage absorbe tous les coups de tête et rush puissants et c'est un vrai plaisir de travailler un gros poisson sous le sillon. J'ai une confiance totale pour travailler même des plus gros poissons sur ce type de canne. Ça
chance qu'ils ont. C'est pas très très gros, mais c'est... Oh. Oh, je fais pas exprès, hein. Qui doit faire 10 kilos, il m'a fait un bagarre d'un poisson d'au moins 20. Ça, c'est, ça va faire des belles souvenirs, hein. Une bagarre comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ouf. Ah. Je vais décrocher tout de suite. Ouf. C'est vraiment beau poisson la mort blanc. Seul souci, c'est qu'ils sont très fragiles. Donc là, il doit être bien fatigué après le combat. Pas souci pour le poisson, je vais le relâcher tout de suite. C'est un poisson qui doit faire dans les 10 kilos, je pense. 9-10 kilos. Bon. Aïe, 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 quel poisson. Oh, oui. Un départ sur une des cannes de Georges.
Même le cameraman participe dans l'action. George a touché ce qui doit être un gros poisson vu le combat. Nous avons changé de rôle et je m'occupe maintenant de filmer George. Je ne suis pas du tout surpris qu'il vienne d'avoir une touche, car il y a eu beaucoup d'activités dans la baie ce matin. C'est sa première session de pêche en France et ce serait vraiment super s'il réussit à faire un beau poisson. Super. Genre, qu'est-ce que tu en penses de la pêche en France? Oh là là, BK. Oui, oh là là, comme tu dis. Big cap. Ouais. Big cap. Vraiment super, ouais. Ce soir, c'est la champagne. Ouais, champagne. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Ouais. Ah ok. Elle est magnifique. Elle est très belle, celle-là. Big. Big carp. Big bush. Un peu plus tard, un autre départ sur la même canne et George a pris son premier amont blanc. Il est aux anges. Pendant qu'il s'occupe de filmer cette cassette, il a pris son record personnel en commune et son premier amour blanc. Bravo, belles écailles. Très bien, amour. Belles écailles. Belles écailles. Vraiment super. C'est l'anniversaire d'Alban, le dernier jour de notre session de 5 jours. Alors on se réunit, Alban, Laurent et moi, pour un superbe barbecue. Et bien sûr, on fête un anniversaire avec une bouteille de champagne. Oui, ah oui. On va se régaler. Il faut savoir terminer en beauté. Hein. Ah oui, c'est une vraie pêche. Alors ah, George, George, hungry? Yeah. Oui, oui, oui. Alors Alban, quand c'est ton anniversaire, 26 ans, on est dans la région des Champagnes, on va ouvrir une bouteille de champagne. Ben, tant mieux.
Tant mieux. Vas-y. Voilà. Que des bonnes choses. Que des bonnes choses. Que des voilà. Choses. Il y a un petit toit, il y a une gap. Oh, c'est trop joli. Laurent. Merci beaucoup. C'est excellent. Oh aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Super. Alors. Bon, moi je crois que je vais manger dans le plat, ça vous gêne pas, parce que c'est un non, peu non, ça va pas. On en a gâché. On en a gâché. Ok. Attention, je vais me mettre à ta droite, Laurent. Ouais, ouais, y'a pas de problème. T'es prêt ? D'accord. Oui, merci. Attention. Ouais. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir en regardant cette cassette que nous avons eu pour le filmer. Voici un avant-goût de notre cassette vidéo Carp Secrets. Filmée uniquement en Angleterre, toujours en français, cette cassette est très technique et remplie d'informations, d'astuces et de secrets sur la pêche à la carpe et surtout les appâts et les montages. John Lulin et John Baker vous dévoilent les secrets des appâts dans l'atelier de fabrication de bouillettes. Et vous allez rejoindre John et Dennis à la pêche, où ils vous expliquent l'utilisation du repère sondeur et bait-roquette, les montages, le carp feeder, la préparation de l'amorce, les bouillettes équilibrées et beaucoup plus.